Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Channel Juven Jésus. Je dis à mon beauté une nouvelle vidéo pour nous. Et c'est comment nous sommes capables d'arriver à parler avec un monde qui peut parler la même langue ensemble avec nous sur WhatsApp. Par exemple, si mon ancien anglais parle, nous sommes capables de parler ensemble avec lui, même que nous-mêmes nous ne pouvons pas parler anglais. Si c'est espagnol, nous sommes capables d'arriver à parler ensemble avec lui, même que nous-mêmes nous ne pouvons pas parler espagnol. Eh bien, jusqu'à avant de commencer, je vous demande pour les gens qui peuvent abonner ensemble avec Chanel là, pour nous capables de faire ça, je viens de Jésus. Et puis, cloche de notification aussi pour nous recevoir toutes les vidéos que nous gagnons pour nous liker. Et pour nous liker, commenter aussi. Juste laisser un commentaire pour nous dire ce que ça nous pense, pour nous donner un avis, nous, quelle amélioration nous sommes supposés porter dans la prochaine vidéo. Maintenant, simplement aller sur Play Store. Là, nous arrivons sur Play Store, nous avons écrit, nous avons simplement écrit. Et Gbot, ok, Gbot de Google K God, ok. Et maintenant, et nous voyons d'y aller. Là, nous arrivons là, il m'a dit nous pour nous installer, et bien simplement installer. Ok. Et maintenant, la télécharger. OK. On nous suit très attentif. OK. Et maintenant, l'I a installé. OK. Et suivez ensemble avec moi. Ok, maintenant, je vais de nouveau ouvrir, nous allons ouvrir. Là, nous finissons ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite? Dans l'étape 1, nous allons activer dans les paramètres. Ok, nous allons activer dans les paramètres là, du bot. Là, nous arrivons là, nous activer. Je vais demander pour nous faire OK, nous faisons OK. Dans l'étape 2, je vais demander pour nous sélectionner un mode de saisie. Nap et sélectionner Gboard au lieu de clavier Samsung, étant donné que portable moi c'est Samsung et qu'elle est okay. Nous sélectionnons, il m'a dit de nous faire OK. Nous fait OK. Et maintenant, nous pouvons aller sur WhatsApp. Ok, qu'est-ce que ça nous fait ensuite? Regardez bien, et on a pesé trois petits points là qui à droite là, on a pesé lui. Ok, nous fait OK. Et maintenant, nous pouvons aller dans la traduction. Nous pesons OK. Et maintenant, on a choisi l'angle là. Détecter la langue. Tout à gauche. Ok, on a choisi la langue. Étant donné que moi-même c'est créole, je parle. On va choisir créole haïtien. Ok? Et puis, mon ami même, mon ami et nous parlons créole, c'est anglais qu'il parle. Eh bien, et nous sommes capables de tout à droite, et la droite c'est anglais. Si mon ami c'était espagnol, nous avons choisi espagnol, quelle que soit la langue. Et mon ami même, il parle, nous avons déjà choisi là. Nous avons choisi là, nous avons choisi. Nous sommes capables de voir un paquet de langues là que nous sommes capables de choisir. Ok? Et maintenant, on va continuer. Nous allons écrire mon nom en créole. Comment ou y mon ami? Comment ou y zami? Zami moi? Ok? Comment ou y zami moi? Nous voyons l'y aller. Nous sommes capables de écrire mon nom en créole et puis le message là tout traduit en anglais. Ok? Je vais écrire l'autre message. Et famille.
yo bien. Yo en forme. Vous allez y aller. Ok? Ok, nous capables, ouais. Et nous écrit en créole, et puis message là lui-même, il est tout traduit en anglais.